there's a fire, but no fight regained. Help us, oh, tonight we are losing this fight. Oh, help us, oh, tonight. Yo tout le monde, c'est Jérémy Jim, alors on est sur le compte de Addictbeast pour un gros tirage de héros surtout sur son compte. Voilà, il y a 105 000 gemmes, donc il y a de quoi faire. Avant que j'oublie tout de suite, petite publicité pour sa guilde MTP34. Voilà, donc il recrute à partir de 80 000 minimum, donc c'est une puissance correcte, hein, c'est assez accessible. J'ai des jeux obligatoires, c'est plutôt logique pour assurer de l'activité dedans, donc voilà. Ah bah lui il a pas encore 80 000 mais je veux dire à mon avis ils doivent monter la puissance vu qu'il commence à avoir du lourd. Donc MTP34, voilà comme ça avant que j'oublie. Et du coup est-ce qu'il y a des œufs, casser des œufs ou est-ce qu'il y avait déjà pris les gemmes? Non, je pense que j'ai déjà les œufs à faire. On va commencer par là. Ce qu'il veut surtout c'est du squelette. Ouh, pouah, 67 œufs. Ouais, bon bah espérons avoir de la chance avec le Volta. Mais sinon il veut aussi carte de réunissance, talent. Ouais, bon c'est pas, c'est sympa. Il veut squelette, barbe blanche et Valentina. Surtout voilà, du bon héros, encore du talent. Ouais, bon, ça le fait. Surtout quand on tente d'œufs. J'espère quand même choper le Volta. Il y a longtemps que je l'ai pas chopé en vidéo. C'est vrai que ces derniers temps c'était sur les événements recrutés et gagnés. Comme le gros tirage de Renette qui a l'air de vous avoir plu, là c'est plutôt cool. Alors, voilà, 1000 insignes, non, ça c'est vraiment pas terrible. Allez là, 80 fragments, bon j'espère avoir un Volta là-dedans, ou un bon héros. Surtout un squelette, bébé Valentina, au pire des cas. Mais bon, 67 œufs. Une carte de tirage d'œufs, ouais bon. Ouais, tout ça là, on peut facilement espérer un Volta quand même, hein. Allez, comme ça, on fera directement du tirage de talent un tout petit peu, non, de héros un tout petit peu, si jamais on l'a. Et après, pas mal de talent, parce que s'il y a Volta, il nous faut du dieu de la guerre. Ou rempart 5. L'un ou l'autre. Oh, sans gemme, allez là, sors-nous du héros. Boîte d'écusson mythique, ça c'est vraiment pas au fou. Là, tout à l'heure, on a eu un bouclier psy, ça c'est sympa. Oh, série d'écusson dieu de la guerre de niveau 2, c'est plutôt sympa. Ah, ça vaut le coup, toute une série entière. Bon, c'est que le niveau 2, mais bon, ça dépanne déjà bien. Bouclier psy côté 4, excellent. Sans gemmes, bon, ça se prend toujours. Allez, là, 300 gemmes, ça se prend carrément. Allez, sors de là. Le Volta. Allez, là, fais pas ton timide. En plus, il y a carte de Skeletor, il y a souffle destructeur, il y a Michael, Ducilia. Oh, il y a quand même pas mal de héros là dans ces œufs là. Allez, 100 fragments. Bon, 120, c'est pas mal quand même. Mais c'est pas Volta. Pack de série d'écussons de niveau 1, ça c'est vraiment nul. Allez là, franchement, sans déconner. 67 œufs là. Il y a longtemps là que j'ai pas crié de joie là pour la choper pour quelqu'un là. Carte de tirage d'œufs, non? On veut que l'œuf nous sort un Volta. En tout cas, des cartes de talent, il y en a pas mal de côté. Là, c'est plutôt sympa. Allez là, Volta, fais pas tout timide. Il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Allez. Il nous reste 30 chances, 120 fragments. On n'a pas encore croisé de héros légendaires, c'est fou ça. Allez. On y croit. 150 gemmes, non? Non, je préfère les 300 quand même, tant qu'à faire. 1000 insignes, ça c'est vraiment moche ça. Allez là, 80 fragments, ça réduit. Non. Allez, on y croit. Ouh, il était long. Ouh, il était long, j'ai cru. Allez. Non. On va rester un peu sur l'œuf de droite là. Allez. 100 gemmes. 150 gemmes, ça va crescendo. Non. De toute façon, qu'on fasse l'un ou l'autre, c'est plutôt la même chose. Ah purée, pas de héros légendaires, c'est fou cette histoire, non. Mais non. Oh ça, j'aime pas faire ça. Allez, là, il nous en reste 13 après celui-là, 80 fragments. Fais quelque chose de sympa.
allez, même au moins un dragon, je crois, j'ai pas l'impression de l'avoir vu sur sa base, il en a peut-être pas encore. Carte de talent, ouais, y a que ça des cartes de talent, c'est quoi cette histoire? Sans gemme. Carte de réunition de talent, purée. Oh, même pas un héros légendaire, ouais, c'est fou quand même, les GG, ils abusent grave. Hein. Allez, bon, espérons avoir plus de chance dans les tirages de héros, voilà, tout à l'heure. 300 gemmes, bon, ça rajoute pas mal de gemmes. Oh les là, sans déconner. Souffle destructeur, ok, bon, c'est un dragon qui est plutôt sympa pour les vagues, moi j'ai toujours kiffé. Mais c'est pas le Volta, quoi. Ah. C'est ballot. Bouclier Psy niveau 1, c'est cool, le dernier. Crève-cœur. Ok, bon, bah c'est un héros, on a eu deux héros sur la fin. Pas de Volta, c'est dommage. Oh là, par contre, on va avoir la blinde d'hockey à faire. Tic, 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 tic. Ça rajoute pas mal de gemmes, on était à 105 000 tout à l'heure, je crois. Là, on est à 107 000. Ouais, il y a quand même beaucoup à récupérer. Je vais pas récupérer tout de suite pour éviter de remplir pour rien. Et on a le dragon et crève-cœur à la fin. Et est-ce qu'il avait déjà le souffle destructeur? Non, il l'avait pas. Il ne l'avait pas, par contre il a le minou avec un talent naze. Bon, en attendant, il doit être assez récent, je pense. Oula, t'as que ça? Ah, je te conseille quand même d'assez rapidement avoir 6 euros verts et 6 euros bleus. Hein. Pourtant, j'arrête pas de le répéter en vidéo, c'est la base. Hein. d'accord, à mon avis, tu vas avoir un compte assez récent quand même. Hein. Mais avec déjà du héros là, Rudolph, c'est bien. Bon, par contre, ouais. Du coup, pas d'Evo, déjà 60 000 de puissance. Finalement, au niveau de ta puissance par rapport à ce que t'as, bien. Bien, bien, bien. Donc, on va commencer. Je sais pas s'il y a d'autres événements à faire avant. Explosion du bingo. Non. J'aime contre pack. Promo, découvrir les trésors. Découvrir les trésors, c'est pas pour tout de suite. Du coup, on va commencer. On a pas mal de place de côté. Allez. C'est parti. Donc, il nous faut du Barbe Blanche, Skeletor et Valentina. Et bien sûr, un max de doublons pour ses évolutions. Pour qu'il ait du boulot. Allez. Non, on va, si on veut du légendaire, s'il vous plaît. Allez, on croise les doigts. Barbe Blanche. Ok, donc direct, bam, 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 Barbe Blanche. Ouh, Sirenia, ça nous fait deux violets de suite. Le Barbe Blanche, est-ce qu'il l'avait... Non, il l'avait pas du tout. Ok, il l'avait pas du tout. Il a quoi, Trovita 3 dessus? Oh, je conseille du Dialga au Fufurio, moi, tant qu'à faire. Oh, par contre, là, c'est pas vilain. Et là, c'est parfait. Là aussi. Oh, là, c'est encore un peu light. Ah, oh, mais sinon t'es bien. D'accord, donc Barbe Blanche déjà. Ouf, c'est cool. On va le sortir et voir ce qu'il a dans le capot. Barbe Blanche, poum, utilisé. On va se faire du tirage talent aussi. Parce qu'il m'a dit de faire vraiment comme si c'était mon compte. Et là, t'as vraiment des bons héros. Mais là, il te faut du talent qui va avec. T'as Fou Furieux 1. C'est plutôt naze. Allez, on va continuer. Oh, succube, elle nous empêche, ça fait 3 450 où il y a du légendaire. C'est plutôt pas mal, finalement. Allez, il nous faut du squelette. Ouh, la vache. Ouh, c'est plutôt rare, ça. Ah, c'est plutôt rare. Ah, bah, je suis content quand même pour ces évos, ce sera très, très, très pratique. Donc, on va les laisser de côté, on va pas les sortir. Revenant encore, bon, c'est un héros qui sert pas des masses, je suis toujours pas convaincu. Mais ça fait bien. Ah, c'est bien, là, comme ça. Oh, Mickaël encore. Énorme. Énorme. Pour son Evo 1, il sera à l'aise. Je vais déjà vérifier l'entrepôt. On sait jamais si il faut l'agrandir entre-temps ou pas. On risque d'être bien avec l'entrepôt, il me semble. Je vais l'agrandir d'un pouce, quand même. En plus, je crois que ça coûte pas trop cher. Ouais, si, 200, quand même. On va essayer de rester vigilant. Voilà, comme ça, on va pas gâcher ses gemmes. Et on va rester sur du tirage de héros. Ah, bien, bien. Par contre, on est pas mal. Hein. Faucheur. Bon, le faucheur, non. Vu que... Ah, quoique, si t'as pas de snipe, comme t'as pas encore le Volta, du coup, malheureusement, ça peut servir. Oula, les triples gouttes de cristal, ça fait pas terrible. Par contre, le double Barbe Blanche, ça risque d'être la photo là qui va être sur la vidéo. Allez là, faites pas ton timide. Renarpie. Oh, un héros qui reste sympa. Après, faut
faut avoir le temps de la monter, quoi, parce qu'il y en a pas mal qui l'utilisent dans les hauts niveaux, là, en champ de bataille. Cupid. Ah, Cupid, c'est bien, ça. Ça, c'est du bon héros, là, pour ses évolutions. Ça, on en veut. On l'en veut. Allez. On y croit. Du coup, c'est Valentina qu'il nous faudrait et du Skeletor. Et après, il pourra se concentrer sur les tirages talents à max. Duc Citrouille, on prend toujours. Pour les évos, il y en a jamais... Oh là, le double vert, par contre, c'est moche. Je le mettrai pas en photo de vidéo, ça. Non. En plus, Harpie, c'était sa première, donc c'est sympa. Revenant, c'est sa première carte, et Mickaël aussi. Bon, par contre, je les ai vus dans l'entrepôt. Mais pour les évos, hein, comme toujours, c'est jamais trop. Non, l'ange, après une petite pause, là, ça fait plutôt mal aux yeux. Démoniste, alors ça, je kiffe. Le démoniste, ça reste un bon héros. Très, très, très bon héros. Il a mis un temps fou à tomber sur mon compte. Mais maintenant, c'est une tuerie. Allez, là, bah, qu'est-ce qu'il faut dans Barbe Blanche? Je crois qu'on a notre dose. C'est Skeletor et Valentina. Oh, dompteur de bête, bon. Bon. Ça le fait, hein, je rappelle, pour les archidémons. Oh, dompteur de bête et sucre d'orge. Wow, ça fait deux violets de suite, là. Bon, sucre d'orge, par contre, non. Absolument pas convaincu du tout. Elle a totalement disparu des radars, même ceux qui l'avaient avec Revita 5. Oh, Barbe Blanche encore, c'est quoi ce conte de fou? C'est bon, ça suffit. Laisse le Skeletor sortir un petit peu, là. Druide. Ouais, non, je pense que c'est assez commun comme héros. Atlanticor. Bon, il reste pratique, hein. Souvent, il y a un archidémon qui est fait pour lui. Dracax, ouais, non. Non. Il a Dracula déjà sur son compte, donc ça va pas te servir à des masses. Atlanticor, non, ça suffit, tu viens de sortir. Laisse un peu les autres. Dieu du tonnerre. Non, on vérifie les places. Ok. Voilà, druide, oh purée, non, et Cupid aussi, tout à l'heure j'ai regardé, t'en as 7. Ouh. Léona, c'est du légendaire, mais c'est pas terrible. Allez, il nous faut du Skeletor, là, j'aimerais bien que pour 50 000 gemmes restants, là, on ait le Skeletor. Et Valentina, bam, dans un même tirage, t'imagines. Oh, champion! Le légendaire tombe. Ça, il n'y a pas de problème, finalement. Oh, Valentina, yes. Énorme. Je suis content. Il manque plus que le Skeletor. Là, c'est presque un tirage à carte. À carte, sur commande, si on peut dire. Il n'y a que le Volta, quand même. Je suis déçu en 67 œufs, là, c'est ouf. Dompteur de bête, ça en fait 3. Je pense que pour l'instant c'est bien. Tu peux laisser ta place au Skeletor toi aussi. Allez, il nous faut du Skeletor. On l'a pas eu dans les trucs. Au pire, on l'aura peut-être dans les Rois Fantômes. Ça c'est bien. Alors lui, c'est un héros qu'on utilise à peu près dans tous les modes. Champion du monde! Non merci. Et on n'a pas encore eu de ninja. Excellent! Excellent! Putain de ninja! Sans déconner, tu... Il fallait en parler, hein! Il fallait en parler! Et je vous jure que je commente en même temps que je fais le tirage. Oula! Ouh, encore double légendaire! Alors par contre, c'est du double légendaire qui va absolument pas servir. Alors t'as mais par contre, le coup du ninja, là, c'est énorme. On l'a pas encore vu, et bim, t'as parlé de moi. Mais on parle du Skeletor aussi depuis tout à l'heure, donc si jamais tu peux nous sortir de là aussi, ce serait cool. Allez, il nous reste 54 000 gemmes. Bon, il m'a dit au pire à 20 000, je fais du tirage, mais j'aimerais bien démarrer avant le tirage de héros, de talent plutôt. Allez, Skeletor là. On croit en toi. On va peut-être faire la même phrase. On n'a toujours pas eu le Skeletor. Et là, non, bah, ça n'a pas marché. Il n'y a que pour le ninja que ça marche. J'aurais pas dû parler de lui. Allez là. Au pire, à 35 000 gemmes, faudrait se mettre à faire du talent. Parce qu'il a des bons héros, mais niveau talent, c'est pas ouf. Mais non, allez là, Skeletor. Démon de glace, bourreau, loup-garou. Oh là, on va faire une petite pause, on va sortir la Valentina, parce que là, au niveau des tirages, là, ça me fait peur. Là. Allez, Valentina, utilisée, boum. Ok, c'est superbe. Allez, alors elle arrive avec quoi? Est-ce qu'elle arrive... Ah non, j'ai un peu confondu là. Elle arrivait avec un talent tout naze aussi. Bon. Ça aurait pu, hein. On sait jamais. Allez, le Skeletor, fais un effort.
Encore ? Putain, le barbe blanche, il est amoureux ici. Conte vampire, ça c'est bien. Je crois qu'il n'y en a pas des masses de côté, donc pour ses évolutions, c'est parfait. Bon, pire, à 30 000 gemmes, il faudrait que j'arrête. Hein. On verra ce qu'on a avec les talents, mais là, vu tous les héros qu'il a, il lui faut les talents. Oh, chevalier de la mort, j'y ai cru, franchement. Paladin, ok, on enchaîne les légendaires. Mais alors, le paladin, non, mais sérieusement, quoi. Pourquoi est-ce qu'il est encore dedans, succube? Oh là là. Vous me faites presque rêver dès que je vois du violet, mais là, là c'est l'ascenseur émotionnel quand même. Hein. Barbe blanche, oh, mais c'est du trucage là. Pixie, ok. Barbe blanche, on a vu que ça. Paradin, non, allez, jusqu'à 25 000 au pire. Allez, on fait un tchac à chaque fois. Géant des collines, Sénaz, Triton, Loup-garou, Tréantor. Tréantor, on prend. C'est un héros qui reste super pratique, notamment en guerre de guilde. Et dans les îles de lave, Cupide encore. Non, Cupide, par contre, il est explosé de Cupide. Ok. Bon, je fais un tchac, hein, comme ça, c'est... Oh, les doubles verts qui font mal aux yeux. Goulem, ça, c'est bon, ça. Eh, j'ai plus envie de m'arrêter, là, tirage de héros, là. Allez, on va essayer de se choper un légendaire, ici, sur le 22 000 restant. Ouais, bon, ok, on va se mettre un petit peu au tirage talent. Un petit peu beaucoup, même. Donc, on va sortir lui et on va sortir elle. On va sortir les cartes de talent. Ouais, dis donc, c'est un gros tirage, hein, finalement. Excellent. Excellent, excellent. Encore une carte de talent ici. Une carte de talent là. Ouf, c'est la folie. Franchement, c'est la folie. Bon, par contre, le reste, je vais laisser dedans. Ok. Le souffle destructeur utilisé, toi tu sors, alors par contre ça reste un bon héros. Moi j'ai fait énormément de vagues avec, ceux qui me suivent depuis le début ont dû le voir. Crève-cœur, elle est pas ouf, mais bon, tant qu'à faire, autant la sortir. Et est-ce que le dompteur il l'avait? Ça je ne sais plus, je pense. Goulem, ouais, il l'avait déjà au moins deux fois. Ah non, tu l'avais que une fois et il est tout dans le fond le Goulem. Oh non, pauvre Goulem. Pauvre Goulem, par contre, qu'est-ce que je vais dire, dompteur de bêtes, toi aussi, bah au moins t'es tranquille pour ses évolutions. Ça y a pas à dire, mais on n'a pas vu du Cilia aussi entre temps. Alors par contre, on aurait eu pas mal de gloire du coup avec ce tirage et bah, tu pourras sortir un héros bleu et vert de chaque. C'est plutôt cool, n'oublie pas le Triton et le démon de glace surtout. Dans les héros bleus, fait pas comme moi au début. Le Dracax, je sais pas s'il l'avait. Est-ce qu'on sort aussi Dracax pour c'est pour placer du talent, hein, surtout. Pas, essayez pas de faire trop de gâchis. Non, il avait pas le Dracax, donc on va sortir le Dracax de là. Ok. Le Dracax, on va te sortir quand même, même si tu me fais de la peine. Ça reste du légendaire. Candy, je sais pas si je l'avais vu. Par contre, Candy, avant de l'utiliser, va se passer un moment... Après, peut-être un petit peu pour up ta puissance. Bon, vu qu'elle n'est pas sortie, autant la sortir quand même. Hop, hop, voilà. S'il y a du talent à placer, pourri au pire, ben, ça ira sur elle. Le démoniste. Allez donc, parce que du coup, avec tous ces héros-là, il a quand même de la nouveauté. Est-ce qu'il avait le démoniste? Oui, il a le démoniste avec un talent pas très ouf, mais du coup, on va pas le sortir. Et je pense qu'on a sorti tout ce qu'il fallait. Tréantor. Pixie, peut-être encore. Et Arren Harpy. Alors, Tréantor. Tréantor, est-ce qu'il avait déjà sorti un Tréantor? Ça a pas l'air. Oh, ça m'énerve que ça clique dessus là. Il n'y a pas de Tréantor de sortie. Ok, il y a Harpy de sortie, mais il n'y a pas de Pixie. Si, il y a Pixie. Mais pas de Tréantor. Ok, donc on va sortir Tréantor aussi. Ouh, ça fait de la nouveauté ça. Ah, t'avais pas encore de Tréantor? Bah, c'est bon. C'est un héros qui est bien pratique. Qui ressuscite quand t'attaques. Alors par contre ça marche pas si tu le mets dans... quand tu fais des vagues sur ta base, il va pas ressusciter, ça marche que quand toi t'attaques et pas quand tu défends. Voilà pour la petite info. Donc bon, on pourra commencer directement à changer du talent. Ouais, bon bah écoutez, on a commencé à dire que c'est le héros qui aura des talents pourris. Hop, Fou Furieux 2, non par contre ça sert strictement à rien. Oh le Roy, c'est le seul qui est venu avec un talent.
Bon, là, on va mettre ça en talon, hein, mais bon, à mon avis. À mon avis, il faut pas trop rêver. Oh, t'as deux tritons. Là, par contre, moi, ceux-là, ils ont du. Ouais, mais. Bon, on va mettre ça sur un barbe blanche en attendant. Mais j'espère avoir mieux quand même. Oh, il est venu. Oh, il est venu avec 4 sur 8. Oh, ouais, c'est vrai qu'au niveau des talents, par contre, là, il y a de quoi faire au niveau du placement. Ronge. Ouais, ouais, c'est pas assez élevé. Par contre, ronge 3, c'est pas ouf du tout. Mais c'est rassuré là, en attendant. À la limite, ça ronge 5. Ah oui, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais faire une connerie. Ok, donc on est parti sur le tirage de talent avec les gemmes. J'espère avoir de la chance parce qu'il a besoin de talent 5 d'urgence. On a dit du niveau 5. Oh, il y a trop de niveau 1 là. C'est quoi cette histoire? Crève-cœur, crève-cœur. Bah du coup, on peut déjà la mettre avec ça en attendant. Ce sera mieux. Peau de pierre 1, dieu de la guerre. Oh là là, c'est pas ouf ce dieu de la guerre là du tout. Hein. C'est vraiment pas assez. Alors par contre, ce sera mieux ça, hein, déjà. Ronge 4, bon, ça commence à être sympa. Oh mais s'il avait déjà un Tréhantor et moi, oh là là, je vais pas bien moi. Avec Revita 4, ok. Alors, allons voir. Ok. Bon là c'est pas ouf, mais Ronge 4, ça va pas être suffisant non plus. Lui il lui faut du dieu de la guerre. J'aurais bien mis sur lui en attendant. C'est pas ouf, le problème c'est que c'est vraiment pas ouf. Et il faudrait que ce soit sur un héros qui soit au corps à corps. Donc on va mettre sur lui. En attendant, c'est pas ouf du tout. Bon, j'espère avoir un peu de chance sur un bon talent qui fait plaisir là. Niveau héros, on est plutôt refait. Mais y'a que du 1 là, c'est quoi ce scandale? Stop! Rempart 3. Bon, du coup, ça vient bon pour le goulet. Mais le goulet, j'espère que j'ai pas louché encore une fois. Qu'il n'y en avait pas devant. Non. Donc, on va mettre sur le goulet. Sur le goulet, sur le goulet, sur le goulet. Pouf! Ok! Ah ouais, lui, c'est rempart. Moi, je reste persuadé que c'est du rempart qu'il lui faut. Après, c'est question de choix. Hein. Oh là là. Bon, par contre, ça reste cool, mais c'est vraiment pas ouf. On va mettre sur Valentina en attendant. J'aurais peut-être gâché un talent 4. Oh là là, drain de vie 5. On a enfin du talent 5, mais. Ah, drain de vie, moi je suis pas hyper fan de ce talent. Hein. Pas hyper fan dans le sens où. Tu vois, limite, même j'hésite à remplacer ça, quoi. 20%, mais bon, c'est toujours pas le talent qu'il lui faut non plus, tant que ce soit qu'on arrive à le faire garder pour quelqu'un. C'est délicat là. Là, c'est très délicat. Allez, à la limite sur lui quoi. Ou sur Orksban. Bon, de toute façon, oh là là. Bon, moi je dirais peut-être sur lui en attendant. C'est dommage si on le gâche. Mais vu que c'est un bon héros et qu'il y a beaucoup de vie, ça reste pratique. Alors par contre, d'où est-ce que sur Rudolph? Ouais, on va déjà lui mettre ça. C'est vraiment pas ouf, mais ça reste mieux. Allez là. Ralentir 2, non, c'est vraiment naze. 25% de chance, peut-être sur son druide quand même. Druide. Ouais, je pense même ralentir 2, ce sera mieux que vitesse d'attaque, comme ça réduit pas vitesse de mouvement. Par contre, ouais, je pense à te faire diminuer un peu ta puissance, mais ça reste mieux que ce que t'avais. Allez là, il nous reste 5600. Ah, brûlure, ah, ça c'est du naze. Ça c'est du naze. Oh là, j'ai vu un talent à 1. C'est pas ton premier duc, non, je te bouge pas, il n'y a pas de problème. Ok, donc on va le mettre sur le duc, hop. Voilà, comme ça, ça compense la puissance perdue juste avant. Ok. Oh là là, c'est toujours pas suffisant. C'est pas assez élevé. Oh, ressuscité 4, bon. Je crois que ces héros vont se taper du ressuscité 4 en attendant. Pareil, crève-cœur, je sais pas si tu vas vraiment l'utiliser, mais bon, en attendant. Ah, y a pas un autre héros là qui me faisait de la peine avec son talent ou pas en attendant.
1-1-1-1. Ouais, lui, il me fait un peu de peine quand même, mais bon. Ok, donc à la limite, sur elle, ce serait quand même mieux. Le faucheur n'y touche pas du tout. C'est plutôt cool. Ok, là je pense que là-dessus, ça peut le faire déjà mieux. Oh, éclairé 4. Par contre, ça reste sympa. Pour vite booster un héros, on va mettre sur Valentina. Ou Barbe Blanche. T'avais pas encore Barbe Blanche et on va le faire sur Barbe Blanche. Voilà, comme ça, tu pourras vite le monter. Et sur lui, ouais, moi, je serais chaud soit du dieu de la guerre ou du rempart. Voilà, bon, il y en a qui sont plutôt partisans du drain de vie. Pourquoi pas, ils ont peut-être raison de leur côté et ça a peut-être fait ses preuves. Mais de mon côté, je préfère rempart au dieu de la guerre. Dessus. Voilà, voilà, pour la petite info, la rempart 1, c'est pas suffisant. Pot de pierre 3 non plus. Bon, peut-être sur elle en attendant. Non, sur un autre qui va pouvoir monter la puissance. À la limite, un pot de pierre 5, j'aurais pu... Oh, j'ai été trop loin par contre dans les gemmes là. J'espère qu'il en aura de côté. Ah oui, si, on en aura sûrement de côté. Oh, c'est vrai que je me suis emballé là. J'ai pas laissé les 300 gemmes de côté. Ah, je me suis emballé. Bon, au pire, on verra. Je sens qu'on aura des gemmes quand même là-dedans et ça pourra me faire pardonner. Allez, donc on commence le tirage de coffre. Il y a le souffle destructeur dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a carte barbe blanche. Diabolique, ça peut être cool, hein, toujours. Et par contre, les autres, ce serait pas spécialement ouf. Alors, si vous pouvez me donner un peu de gemmes, là, pour récupérer... je me suis un peu emballé dans les tirages, là. Ça descend plus vite que prévu. Oh, 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 carte diabolique. Ok, bon, bah ça, par contre, ça fait plutôt plaisir. Carte diabolique, ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Il l'avait déjà, certes, mais moi, ça lui fera une carte en plus. Ça, ça vaut le coup. Bon, bah finalement, rien de ouf à part la carte de Skeletor qui est tombée. On a récupéré du gemme et du fragment en masse. Vous avez vu, du coup, en gemme, je suis remonté largement. Là, j'étais qu'à 200. Là, je suis à 680. Ouh, là, bah dis donc. Oh, ok. Et encore, hop là, 390 ici. Voilà, je savais. On peut même faire un dernier tirage talent. Allez, on se fait un dernier tirage talent. Hop, hop, et... Non, ok, bon, on va arrêter là. Ou un dernier? Non, 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 on va lui laisser des gemmes, on sait jamais s'il veut faire quoi que ce soit avec ou s'il tombe sur un bon marchand. Ok, donc ben voilà, en plus de côté, il a encore tout ça à récupérer. Oh là, il y a... Et carte de Diaboluque, donc on va pouvoir tout sortir. Le bouclier psy, c'est plutôt cool. Le bouclier psy, je te conseille de le mettre sur sur le bélier. Voilà, comme ça, je rappelle, le bouclier psy protège les états négatifs, c'est-à-dire tout ce qui est coma. Et... Coma et pros de bélier également, voilà, donc il est protégé au moins d'une attaque de bélier, protégé d'une attaque de barbe blanche par exemple, voilà, ça lui donne une chance d'esquiver un état négatif, et donc ça comprend tout ce qui est coma, barbe blanche et compagnie, voilà. Bon bah écoute, t'as plus qu'à te faire plaisir, Crève-Cœur, je pense que tu peux la laisser de côté, Dracax aussi, mais par contre les autres, tu peux y aller, ça va être du bon héros, même ton Goulême là que je vois qui est tout en bas, il va falloir le mettre à fond. Voilà, bah écoute, bonne chance, et puis bah, je vois que t'es plutôt bien parti au niveau du placement des talents, voilà, comparé à ce que t'as eu, et puis bah voilà, bon courage, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va lui mettre le petit souffle destructeur ici, là, pour lui faire la petite surprise quand il va revenir. Ça reste un bon héros, moi j'ai toujours été très satisfait de ce héros, et en plus je l'ai mis à 10 sur 10, voilà, pour dire que ça vaut le coup. Voilà, bah écoutez, on se dit à très vite pour une autre, et portez-vous bien, tchuss.